Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de X-Men Origins Wolverine. On avait tué le résultat de l'opération Wendigo. Et maintenant, on est toujours dans l'armée X. Et donc, on va essayer de trouver la sortie. Montre-moi quoi tu es capable. On va le tuer, salopard. Voilà, vas-y fait. Bon. On doit l'arrêter. On a le visuel sur l'ennemi. Maintenez le contact visuel. Alors, qu'est-ce qu'il y a pas ici? Des trucs intéressants. Non, y a rien. Oh, mais je retourne, tu es mimé, toi. Mais y a rien. Que dalle. Ouais, ça va, hein. Ici. Vous êtes là, Logan? Vous m'entendez? Qui êtes-vous? Je suis le docteur Carol Frost. Je travaille pour le docteur Cornelius. Je veux vous aider. Qu'est-ce qui m'arrive? Pour s'assurer que vous ne puissiez pas vous échapper, Stryker vous a injecté un bio-enzyme. Il a annihilé votre capacité de régénération et vos facultés ultra-sensitives. Je peux réparer les dégâts, mais pour ça, vous devez venir dans mon labo, au nord d'ici. Pourquoi je devrais vous faire confiance? Parce que sinon, vous mourrez. C'est pas clean, j'ai perdu la régénération. J'ai plus mes sens sauvages, c'est génial. Qui est conduit? Ah, oh, il y a un conduit là-bas. Prenez vos positions! Tout le monde, mettez les bouchées doubles! On a perdu la trace de l'arme 10. Attendez qu'on l'ait encerclé avant de tirer. De soutien sont attendus. Wolf 3-2, au rapport. On a perdu la trace de l'arme 10. Trouvez une position à couvert, allez! Et si le mutant qui est là-dedans les avait tous tués? À mon avis, un mutant qui s'appelle arme 10, c'est pas bon signe. Contrôle atteint. Ouais, il flotte dans les airs, hein. Il faut que je trouve un accumulateur. Attention, ce secteur est bouclé. Les badges de sécurité doivent être présentés à chaque checkpoint. Ah, c'est peut-être là-haut qu'il faut. Ouais. Où était le truc de l'accumulateur, hein? Il était là.
il faut accumulateur pour sortir. Si je vais rechercher l'accumulateur, la porte elle va se refermer, non? Tous les coups. J'aurai jamais le temps avec ça sur le dos. Il faut un accu. Est-ce qu'il peut y avoir un accumulateur? Non. Alerte de code rouge. Accumulateur, je serai à côté aussi. Oh non, j'ai cru que c'était ouvert. Diminue le temps d'attente avant le début de l'irrigation. Vous avez trouvé un mutagène. Équipez-le, trouvez-le pour dire ok. On va faire le mutagène. Recteur guérison. Mais si je me dis pas où est l'autre truc. T'es là-haut peut-être. Non. Y'a rien ici, j'ai pas d'accumulateur. Tous les laboratoires de ce secteur doivent être... Où sont les accumulateurs là-dedans? Je pourrais peut-être pas passer, non? Non, je peux pas passer. Là, je peux pas remonter. C'était ça qu'il fallait faire. Je n'avais pas compris ça comme ça, mais bon, moi j'ai trouvé sans le faire exprès. Comment on fait pour y aller? Attention, ce secteur est bouclé. Les badges de sécurité doivent être présentés à chaque checkpoint. Non, il veut pas. Te mets pas en travers de mon chemin. Je ne l'aurais jamais cru si je ne l'avais pas vu de mes yeux. Un homme capable de se téléporter d'un endroit à un autre a été interné aujourd'hui.
Le potentiel militaire de ce pouvoir est immense. Mais il existe peut-être des pouvoirs encore supérieurs. Une troupe de mutants pourrait accomplir des missions qu'aucun humain ne serait capable d'envisager. Sautant comme ça. Appel aux scientifiques de l'équipe Beta, le centre de commandement. Non, il veut pas. Bon, tant pis. Je sais pas comment l'attendre celui-là. Bon, si il devait. Donc, de trouver notre chemin. Fichur X pour tuer les ennemis qui vous ont pas entendu arriver. Tous les civils doivent quitter la base immédiatement. Il n'y a pas grand lien qu'un dans le coin. Vous êtes mon ange gardien, c'est ça? Je veux seulement... Attendez! Vous ne comprenez pas! Je veux mettre fin aux atrocités qui sont commises ici! Et je commence avec vous! Et vous comptez faire quoi? Je vais désactiver le bio-enzyme. D'accord. Faites donc ça. Voilà. Si vous rejoignez le labo de biomécanique, je pourrai réparer votre capacité de régénération. Hey Doc, si c'est un piège, je vous promets de vous le faire payer. Je n'ai donc rien à craindre. Je vous ai apporté vos affaires. Ok. Objectif accompli, accueil glacial. Oh, moi je suis plus à poil. Faculté de régène. Ok, pour les bons. Au produit. L'arme d'Yves est particulièrement dangereuse. Docteur Cornelius, j'ai contacté le docteur Cornelius de toute urgence. Saccage 1, augmente votre niveau maximum de rage. Vous avez trouvé un mutagène. Ok, j'ai trouvé un mutagène. C'est bien, j'ai trouvé un mutagène, mais je suis plus un mutant pour le moment. Ça sert beaucoup, hein. Partout. Je viens de voir quelque chose là-dedans. C'est rien, juste une tourelle portable. Je sais pas. Cette histoire d'arme 10 t'a embrouillé le cerveau. Allez, on s'en va.
Faut que j'arrête de paniquer. J'ai peur là-bas, mais... Et puis, je vais esquiver, c'est cool. Je vais esquiver des trucs. Ah, chouette. C'est augmenté de 5. Et oui, j'en ai plus de la main, de santé. Ah, c'est cool. Ah, celui-là, j'ai trouvé. Bon, alors, ils sont où les petits machins? Docteur Carol Frost. Je n'avais pas réalisé à quel point le complexe de l'arme 10 était gigantesque quand je suis venue passer mon premier entretien. La visite d'aujourd'hui m'a permis de découvrir que 90% des installations sont souterraines. Les gens qui travaillent ici sont tous très qualifiés et l'équipement est ultra moderne. J'ai aussi rencontré le colonel Stryker pour la première fois. Contrairement au docteur Cornelius, qui me traite comme si j'étais un robot, le colonel Stryker semble très soucieux de notre travail et des bienfaits que l'humanité fait. Oups. Ah. On va revenir au point de contrôle. C'est embêtant, mais... Je vis tellement en plus. T'es gouré de maison, mon vieux. X-Men de l'île. Allez. J'étais loin, mais pas si loin que ça. Le complexe de l'arme 10 était gigantesque quand je suis venue passer mon premier entretien. La visite d'aujourd'hui m'a permis de découvrir que 90% des installations sont souterraines. Les gens qui travaillent ici sont tous très qualifiés et l'équipement est ultra moderne. J'ai aussi rencontré le colonel Stryker pour la première fois. Contrairement au docteur Cornelius, qui me traite comme si j'étais un robot, le colonel Stryker... Oh la vache, j'y étais presque. Notre travail et... Comment j'ai fait? À quel point le complexe de l'arme 10 était gigantesque d'aujourd'hui m'a permis de découvrir que 90% des installations sont souterraines. Les gens qui travaillent ici sont tous très qualifiés et l'équipement est ultra moderne. J'ai aussi rencontré le colonel Stryker pour la première fois. Contrairement au docteur Cornelius, qui me traite comme si j'étais un robot, le colonel Stryker semble très soucieux de notre travail et des bienfaits que l'humanité pourra en tirer. Bah, j'ai appuyé pour sauter, ça n'a rien fait. On peut pas. Comment j'ai fait? Comment on fait? Faut esquiver ou faut trouver un moyen de les faire péter? Parce que je sais pas si ça compte le nombre, comme je ça réinitialise à chaque fois. J'ai réalisé à quel point le complexe de l'arme 10 était gigantesque quand je suis venu passer mon premier entretien.
La visite d'aujourd'hui m'a permis de découvrir que 90% des installations sont souterraines. Ah, bah il y avait un bouclier. Riker pour la première fois. Contrairement au docteur Cornelius, qui me traite comme si j'étais un robot, le colonel Stryker semble très soucieux de notre travail et des bienfaits de l'humanité. Et il se déplace, d'accord. Il faut se dépêcher pour se déplacer en même temps que lui. Mais j'y vais, crétin! Comment lui? Comment il m'a eu? C'est fou ça! Comment il m'a eu? Ah, j'ai été plus loin que d'habitude. Déjà ça. Je m'en fous, c'est un journal personnel. Je n'avais pas réalisé à quel point le complexe de l'arme 10 était gigantesque quand je suis venu passer. Alors le computer, il se met en route dès que je mets le bordel. Un ordinateur qui se met en route aussi vite, c'est mieux que Windows 10, disons. Imagine. Semble très soucieux de notre travail et des bienfaits que l'humanité pourra en tirer. Attention, ce secteur est bouclé. Les badges de sécurité doivent être présentés à chaque checkpoint. Ok. Ici, il y a rien. Bon, comment je sors ? Comment on fait? Comment on fait, moi? Il n'y a pas de porte. Comment on fait, docteur Carol Frost? Je n'avais pas réalisé à quel point le complexe de l'arme 10 était gigantesque quand je suis venu passer mon premier entretien.
La visite d'aujourd'hui m'a permis de découvrir que 90% des installations sont souterraines. Les... Contrairement au docteur Cornelius, qui me traite comme si j'étais un robot, le colonel Stryker semble très soucieux de notre travail et des bienfaits que l'humanité pourra en tirer. Je n'ai pas vu, chef. Mieux vaut rester vigilant. Il est là-haut! Qu'est-ce que tu fous? J'ai entendu quelque chose par là. À tous les Vipers, ordre de rejoindre la zone de détention 6. Tout le monde court après l'arme 10. Je donnerais cher pour l'avoir en face de moi. Ouais, ça me plairait de lui faire sa fête. C'est moi que tu cherches, l'arme 10? Ouais, c'est ça, baisse les yeux. Je vais t'entendre de si vite. Ok. On va se bloquer dans un coin. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera de sortir de ce bazar et récupérer notre pouvoir auto-régénérateur. La prochaine fois, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Ciao, ciao.